Alors, que peut-on dire sur le bulletin de salaire en 2017? On peut dire déjà que le bulletin de salaire dématérialisé devient la norme, contrairement à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire le bulletin de paye papier. À partir de 2017, tout employeur peut remettre, si elle le souhaite, les bulletins de salaire de manière dématérialisée à ses salariés via la mise en place d'un coffre-fort numérique sécurisé, personnel et confidentiel, et qui va garantir un archivage de ces bulletins de salaire pendant au moins 50 ans, voire jusqu'aux 75 ans du salarié. L'entretien professionnel n'est pas un entretien d'évaluation car il a un objet différent, une convocation distincte, un horaire distinct, un compte-rendu distinct. L'entretien d'évaluation n'est pas un entretien obligatoire, même s'il est fortement conseillé de le faire et il est rendu obligatoire au niveau de certaines conventions collectives et au niveau de certains types de contrats tels que le forfait jour. L'entretien professionnel, lui, obéit à d'autres règles. Il a pour but d'évaluer la situation professionnelle du salarié, c'est-à-dire de faire un bilan de son parcours professionnel et d'évaluer ses orientations en termes de bilan de compétences ou de formation pour le bien-être dans la société. Qu'est-ce que j'ai pensé de la conférence de ce matin? Donc ça a été pour moi une découverte des métiers RH puisque je ne suis pas issu des métiers des ressources humaines. Donc j'ai pu m'apercevoir de la complexité du métier et ce que je disais effectivement de la veille que ça demande puisque on va dire très souvent le législateur nous concocte de nouvelles choses à mettre en place dans les entreprises. Donc ça m'ouvre une partie, ça me montre que le métier est très spécifique et très complexe en tout cas. Et m'attire encore plus effectivement dans ce domaine-là.